PSG, les options sans Neymar contre Nice. Mbappé de retour à gauche. Kylian Mbappé a montré depuis le début de saison qu'il était capable d'être performant à droite, son poste désigné quand le trio d'attaquants vedettes qu'il forme avec Neymar et Edinson Cavani à tout complet. En l'absence du Brésilien, suspendu pour son carton rouge à Marseille, une Emery pourrait être tentée de replacer le jeune international français à gauche, le poste auquel il a explosé la saison dernière avec Monaco, comme lors de l'unique match disputé sans Neymar depuis son arrivée, à Montpellier le 23 septembre, 0-0. Ce jour-là, le PSG, organisé en 4-3-3, était resté muet pour la première fois de la saison. Mbappé avait été l'attaquant le plus remuant mais il avait eu beaucoup de mal à combiner avec Edinson Cavani et Julian Draxler, placés à droite, tandis que les relayeurs parisiens, Adrien Rabiot et Marco Verratti, ne s'étaient pas rendus assez disponibles entre les deux lignes de défense adverses. Di Maria, le quatrième homme. Cette saison, Angel Di Maria est en théorie quatrième dans la hiérarchie des attaquants parisiens. Titulaire lors des quatre premières journées de Ligue 1, il est devenu à son grand dam joker de luxe après la signature d'Mbappé en toute fin de mercato. Le premier sur la liste quand l'un des trois membres de la MCN n'est pas disponible ou doit souffler. En l'absence de Neymar et avec le possible repositionnement de Mbappé à gauche, l'Argentin est le candidat naturel à droite, son poste des prédilections, loin devant Lucas, jamais titularisé cette saison. Difficile donc d'imaginer Emery laisser Di Maria sur le banc contre Nice et risquer ainsi de voir le malaise du joueur, déjà palpable après son but à Anderlecht, 4-0, prendre de l'ampleur. 4-3-3 ou 4-2-3-1. Reste à savoir quel sera le système choisi par l'entraîneur parisien. Quand il a à disposition tous ses joueurs, il penche naturellement pour le 4-3-3. Dans cette configuration, l'animation offensive est claire, Mbappé et Neymar ont tendance à repiquer dans l'axe pour venir combiner ensemble, et dans une moindre mesure avec Cavani, laissant les ailes aux deux arrières latéraux comme ci-dessous contre Bordeaux, 6-2. Un match où, en l'absence de Thiago Motta, également écarté ce soir pour cause de blessure, Julian Draxler avait été excellent en relayeur avec derrière lui Adrien Rabiot en sentinelle. Avec Di Maria, un vrai joueur de côté qui a moins tendance à rentrer dans l'axe, Emery pourrait aussi être tenté d'utiliser un 4-2-3-1 avec Julian Draxler en numéro 10 contre Nice. Le profil différent de l'Argentin pourrait résoudre le problème apparu les deux fois où l'Allemand a été aligné dans ce rôle en soutien de la MCN, que ce soit à Metz, où le score final, 5-1, ne reflète pas les difficultés rencontrées avant l'expulsion de Benoît Tassou Ekoto, ou contre Lyon, 2-0, les quatre attaquants avaient donné l'impression de se marcher dessus dans l'axe. Ce système pourrait aussi permettre de relancer Javier Pastore, remis de blessure, au poste de numéro 10.